Allergique au parfum, je suis désolée. Et du coup, j'ai balisé Lidl. Lidl. Vous savez qu'on dit pas Lidl, on dit Lidl. 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 Donc, je suis allée à Lidl. J'ai acheté ceci. J'adore la polenta, mais vraiment. D'ailleurs, ça ira très bien avec le pesto rosso. Moi, j'avais une amie, elle faisait à italienne, elle faisait la polenta et elle mettait la polenta. Après, mais elle faisait elle-même la polenta, elle tournait pendant des heures là. Après, elle mettait une sorte de tomate, sauce tomate, avec de la viande, et elle remettait de la polenta. Mais je vous dis que ça, c'était une tuerie. C'est un hachis parmentier, mais polenta à l'italienne, quoi. C'est comme le hachis parmentier, sauf que c'est de la polenta, et que c'est du... Oh, je suis désolée, ça me gratte. Sauf que c'est beefsteak haché tomate, et ça, mais c'est trop bon. Je vous assure, c'est très très bon. Donc ça, ben moi je trouve pour une fois qu'ils font comme ça, ben c'est génial. 1,19€ en plus, c'était vraiment pas cher. Après, j'ai des tiramisu, je les ai payés 1,19€ je crois, ou 2,19€, je ne sais plus. J'adore le tiramisu le soir comme ça, jusqu'au 31 octobre. Moi je pense qu'ils sont très bons. Vous avez vu, j'ai fait un effort, je me suis maquillée. J'ai pris pour... parce qu'il mange plutôt végétarien. Je lui ai pris des cannelloni ricotta épinard. Il en aura pour deux fois, comme ça. Voilà. Je trouve ça très très bon. Moi, j'adore. Je ne connais pas cette marque Top Chef. Mais je pense que déjà, je connaissais les salades et les to go Top Chef. Je suis désolée, ça mérite. Je ne sais pas pourquoi. Il y a un truc qui mérite. Je suis désolée. Peut-être que je boive un coup. Bref, alors voilà. Eh bien, ça, cannelloni épinard, franchement, ricotta, ça doit être une tuerie. Donc, je lui ai pris ça. Alors, bien sûr, vous me connaissez, j'ai désinfecté tous les sacs, là, déjà, pour mettre chez moi. Ça, je l'ai pris, j'adore, c'est 1,49€. Voilà. Du coup, j'ai mangé à 4 heures, je crois. Je n'ai aucune idée de l'heure. Donc, je pose. Je peux poser. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que chez vous tout va bien? Est-ce que vous avez un petit peu peur par rapport au Covid? Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous trouvez que c'est une connerie? Est-ce que vous trouvez... Enfin, moi, j'ai... L'autre fois, il y a une dame qui m'a... J'ai appelé une dame et j'avais besoin parce que voilà, bref. Et en fait, elle me dit, vous savez, j'ai ma fille... ma fille, comment, qui a beaucoup d'asthme. Et moi, j'ai énormément d'asthme. Et je me suis retrouvée, j'ai attrapé le Covid. Et elle me dit, ne croyez pas que l'asthme n'est pas vulnérable. Bien sûr que si, elle m'a dit. Attendez, je continue. Et on parle en même temps. Hein. Et puis en même temps, ça m'irrite le nez. Je ne sais pas si la lessive ou pas, j'en sais rien. L'eau, voilà. Une bouteille d'eau, là, je l'ai achetée hein, juste en arrivant, 85 centimes, parce que j'en ai plus et je ne peux pas porter des bouteilles. J'ai pris des croissants. Alors d'habitude, j'ai payé 1,79€ parce qu'ils sont emballés dans les petits sachets. Oh, je suis désolée, ça me démange. Ils sont emballés dans des petits sachets. Et du coup, là, ils sont bons jusqu'au 19 octobre. Ils ne sont pas du tout emballés dans des petits sachets, mais ça coûte 1€, quoi, au lieu d'1,79€. J'ai pris des pommes de terre. On a intérêt à les faire hein, vite, hein, parce que... elles sont décongelées. J'en ai pour 78 centimes, ces petites patates. C'est des patates Halpenfest Kartoffelpuffer. Kartoffelpuffer. Bon, bref, c'est des patates. Donc, j'ai repris des clafoutis. Pour une fois, j'ai trouvé abricots et cerises en même temps. 2,10€. Et franchement, ça, c'est une tuerie, la laitière. Et la date est bonne. 1,19€ le ketchup. Alors, je ne sais pas pourquoi celui-là, si pour vous, moi, il pique. Pour moi, mais moi, je fais beaucoup d'allergies, de réactions à des tas de trucs. Hein. Pour moi, quand je le mange, il pique. Je ne sais pas si c'est normal.
Je suis pris ça à 1,59 € parce que c'est Sol del Mare. Non, non, Sol del Mare, c'est italien. Je ne sais pas comment on dit en espagnol, Sol del Mar. En fait, c'est des filets d'anchois. Alors, normalement, ils sont marinés, mais ils ne sont pas salés, normalement. Donc, des filets d'anchois qui ne sont pas salés, c'est une pure tuerie. Logiquement, ils ne sont pas salés. S'ils sont salés, ben, je ne les prendrai pas parce que ça va être immangeable. Je crois qu'ils ne sont pas salés. Filets d'anchois, huile de tournesol, huile d'olive, vinaigre de vin. Voilà, ils ne sont pas salés. Mais franchement, ça doit être une tuerie. Ensuite, j'ai pris... Bon, voyons, ça va être décongelé, ça. Non, pas encore, mais presque. Écrasé de pommes de terre, de patates douces, 2,19 €. J'ai pris 1 €, et ça a augmenté, avant c'était 79 centimes. Quoi, peut-être pas cela. Hein. 1,49 €, les 1,59 €, les mélanges de fruits secs. Peut-être parce que c'est les fruits secs qui étaient un peu plus chers. Les bananes, je ne sais pas. Mais elles étaient 1,59 € le kilo, donc j'ai dû en avoir pour 1,09 €. Je ne sais pas si vous entendez les motos, hein, mais c'est casse-pied. Hein. J'ai trouvé cette petite tortilla au chorizo, 1,19 €. Franchement, je vais me régaler avec ça. Vous savez, moi, le midi, le soir, je mange une soupe et puis je me mange un petit truc comme ça, ou des fois qu'une soupe. Là, j'ai trouvé à Lidl. Ah, je suis dégoûtée, hein, franchement. Bien sûr que c'est mes courses viennent de Lidl, n'importe quoi. Je trouvé à Lidl. Toutes mes courses viennent de Lidl. Je suis dégoûtée parce que j'y suis allée pour une chose. Je voulais acheter le portant pliant. Et déjà, il n'y en avait plus. Il y avait plein de choses, sauf ça. Je dis, mais vous ne l'avez pas? Elle me dit, non, mais franchement, c'est génial, quoi, le portant pliant, 11,99 €. Donc, je vais voir si je peux le commander. Je vais voir et me le faire livrer dans le magasin, parce qu'elle m'a dit que c'était possible. Ça m'étonnerait, mais... Alors, s'enlève sans trace. Et 225 kilos. On a toujours besoin d'un petit une petite attache comme ça, chez soi. Vous connaissiez, c'était, on a toujours besoin des petits pois chez soi. Après, j'ai pris un beignet, un croissant aux amandes et un machin truc vidéo chouette là. Et là, j'ai pris un pain au maïs, 1,49 €. Voilà. Hein. Et j'en ai eu pour 43,39 €. Eh bien, franchement, je vais aller faire mes courses chez Lidl. C'est moins cher que Auchan et tout le machin. Voilà. Et maintenant, je vais aller ranger tout. Sur ce. Je vous fais des... Alors, je suis maquillée avec la palette Sananas. Parce qu'à la base... Oh, putain, franchement... Non, mais je vais me la manger. Non, mais regardez. Elle est complètement décongelée. Franchement, je voulais faire un concours. J'avais plein de choses à donner. Et en fait, j'ai donné énormément. Et je vais redonner encore à Nadège, ma meilleure amie. Et je voulais faire un concours pour faire gagner la palette. Et il y a eu le corona qui est arrivé, il y a eu le confinement. Donc du coup, bah, ça tombe bien parce que bah, j'avais plus la couleur que je voulais. Du coup, j'avais deux palettes, du coup j'ai pris la nouvelle. Et voilà, je me suis remaquillée avec parce que j'avais plus la couleur rose brillante que j'adorais. Voilà, bah, sur ce, quoi vous dire? Que je vous aime. I love you. Ich liebe dich. Te quiero. Ti amo. Bye bye, ciao à tous. Et puis voilà, c'était mon haul Lidl, tout simplement. J'ai dévalisé Lidl, oui. Et voilà, je suis dégoûtée. J'ai pas le truc. Vous avez remarqué un truc? À chaque fois que je vous dis au revoir, il faut que je reparle. Alors que je devrais stopper. Non, il faut toujours que je parle. Sur ce, je vous embrasse très fort. Je vous dis I love you, je vous dis je te quiero, ti amo. Bye bye.